Le cinéma en 2000 images. Aujourd'hui, le papier découpé. Le papier découpé est une technique d'animation. Il s'agit simplement d'animer les éléments du film en déplaçant des bouts de papier devant une caméra. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Premièrement, les dessins sont mis sur papier, puis découpés. Les divers morceaux d'un personnage peuvent être attachés au besoin. Les autres éléments de décor sont, eux aussi, découpés sur papier. Cette technique nécessite également un banc-titre. Il s'agit tout simplement d'une table en haut duquel est fixée une caméra, orientée vers la table. De chaque côté sont positionnés des projecteurs pour assurer l'éclairage. Sur la table sont alors déposés les éléments du décor, puis les personnages pour une scène donnée. L'animateur déplace alors les morceaux de papier suivant son plan et prend une photo après chaque groupe de manipulation. Selon le cas, l'animateur peut opter pour l'animation par déplacement, si les éléments ne changent pas, ou pour l'animation par substitution, où il remplace un élément par un autre. Rappelons ici qu'en cinéma, 24 images sont nécessaires pour faire une seconde de film. Voilà, c'est aussi simple que ça.